Salut, salut, donc comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour le Rotation Makeup. Donc voilà, c'est la rotation de décembre, donc c'est les produits que je vais utiliser tout le mois de décembre pour les vidéos du calendrier d'avant. Ce make-up, vous l'aurez demain, je crois. Ou après-demain, je ne sais plus trop. Non, je sens que c'est demain. Bref, vous allez bientôt la voir. C'est un des make-up de une palette 3 looks avec la Interstellar, la Carnival 5. Et voilà, je suis déjà essoufflée. Je viens de faire l'intro et je suis essoufflée. Donc, on va commencer tout fouillite. Donc, on va commencer dans l'ordre de ce qui ne bouge pas. Donc, mon petit fard beige pour poudrer mon arcade sourcilière. Anti-cerne, c'est soit celui-là, soit le XX, mais ça change pas. Le baume à lèvres, j'utilise le Willy Wonka de chez Glam parce qu'ils sont super bons au chocolat. Le plumper, pour l'instant, j'utilise celui-là, le Emp, je crois que c'est ça, hein, Emp, Happy Emp de chez W7, donc qui est à l'huile de chanvre, puisque j'ai terminé le Bambi de Essence. Crayon à sourcils, toujours le Chiglam. J'ai le mascara à sourcils Chiglam également à utiliser et le Anastasia à terminer. Ma base pour les paupières. Et voilà. Donc ça, c'est pour ce qui ne bouge pas. En base de teint, je dois terminer la Marshmallow. Je pense que je suis pas mal au bout là déjà. Et après, j'ai la... Alors attendez... J'ai celle-ci à utiliser, la Maléfique de chez Catrice. Donc pour l'instant, j'essaie de finir celle-là. Puis après, j'utiliserai celle-ci. En fond de teint, j'ai presque terminé le Catrice Skin True Skin que j'adore. Voilà, il fait vraiment partie de mes fonds de teint préférés avec le Chiglam. Ensuite, j'utiliserai le Chiglam que j'ai reçu dans le colis. Donc, je vous remets le big colis, le full face avec le big colis que j'ai reçu de Chiglam. C'est la version hydratante. Donc, je l'aime un peu moins que les deux autres, mais je l'aime bien. Donc, j'utiliserai celui-là en utilisant le fond de teint poudre de chez Révolution. Bah, celui-là, il est presque terminé, mais j'en ai plein d'autres. Donc, c'est pas un problème. En produit crème, donc je vais utiliser le bronzer, pareil que j'ai reçu dans le colis, toujours de chez Chiglam, puisque je m'en sers que en sous-couche. Là, c'est ce que je l'ai mis en sous-couche de mon bronzer, mais voilà, je vais l'utiliser parce que je l'ai. Alors, le blush crème, j'enlève le Willy Wonka. Je l'aime bien, c'est celui que j'ai mis en sous-couche aujourd'hui, mais il est très 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 rose et la texture est moins agréable que celui que je vais incorporer. Qui est toujours de chez Chiglam, de la collection Picnique, et c'est la teinte, je sais pas l'air, la teinte, oula, Afternoon Peach, on apprend à lire. Donc voilà, je vais mettre celui-là parce que la teinte est plus naturelle, et il s'applique beaucoup mieux que l'autre qui est plus un gel qu'une crème. Voilà. Un poudre. En poudre, donc j'essaye de finir celle-ci aussi. Bon, la poudre libre va se terminer très vite. Hein. Et le contour des yeux, on voit déjà la forme du pan. Il n'y a pas beaucoup de quantité, donc elle se termine très vite. Et comme je l'ai ouvert pour faire le full face, ben, je vais essayer de la terminer en priorité. D'ailleurs, vu ce qui reste, je me demande si je ne vais pas transvider dans l'autre. Et réutiliser la poudre libre. Je vais peut-être changer. Tiens, je vais peut-être prendre un peu la cerise. Parce que ça fait un moment que j'utilise la fraise. Donc je vais prendre la cerise pour l'utiliser un peu aussi. Et pour le contour des yeux, pour l'instant, je garde celle-là. Et si je la termine avant, ce qui sera probablement le cas, j'utiliserai la Odena comme d'habitude. Alors, ensuite. Là, je crois que j'ai plus rien à incorporer. Ensuite. On en était où? Bronzer et blush. Alors, bronzer, je garde toujours le Tom Ford puisque j'essaye de le finir. J'arrivais pas à le finir avant la fin de l'année, mais cette fois-ci, on voit le pan. Je vous promets.
Ça fait 15 millions de fois que je vous dis qu'on va bientôt voir le pan. Cette fois-ci, il y a un trou dedans. Donc, je le garde pour l'avoir, pour avoir un blush un peu plus chaud et lumineux. Par contre, je vais enlever le nabla. Je vais ouvrir mon tiroir, vous risquez de le voir, mais c'est pas bien grave. Et du coup, je vais prendre le matte bronzer de chez Elegirl. C'est ça. Ouais. Comme ça, je l'utilise un peu parce que je ne l'ai pas utilisé depuis un certain temps. Comme ça, j'ai un bronzer mat et un bronzer lumineux, comme j'aime bien faire. Ça m'énerve ce poil-là. Alors, en blush, je vais enlever la palette Sweet Chic. Donc là, c'est la teinte Sunset Cruise. Donc, c'est les teintes les plus foncées. Voilà, pour l'automne, elle est vraiment géniale. Mais je vais l'enlever et je vais... Ah, ben, je vais... Non, je vais pas mettre le matte bronzer. Je vais prendre le trio de chez Lethal Cosmetics. Voilà, puisque j'adore le bronzer, le blush, et comme ça, j'ai un highlighter un peu plus naturel que ceux que je vais mettre juste après. Donc voilà, ça me fait quand même un bronzer mat et un bronzer lumineux, plus un blush. Oh, mais... Le Evil Queen, j'ai pas envie de l'enlever. Hein. C'est vraiment mon blush préféré. C'est devenu mon blush préféré. C'est un truc de fou. Je l'adore. J'ai pas arrêté de l'utiliser. En plus, il sent bon. Ouais, je vais le garder. J'ai pas envie de l'enlever. Je l'aime de trop. Mais je vais en rajouter un autre. Donc là, j'ai un peu pêche, un peu rose. Peut-être un peu plus dans les teintes nude. Eh ben, je vais remettre le matte bronzer de chez W7 en teinte El Toro, que c'est un blush que j'adore aussi. Voilà pour les blushs. Alors, en highlighter, du coup, on a celui de la palette Lethal. Et je l'ai enlevé pendant un mois, faut pas déconner, hein, je vais la remettre. Ma Alchemist palette, comme ça, j'ai vraiment des highlighters de toutes les couleurs. Ils sont creusés, quoi. C'est un truc de fou, surtout le bleu et le vert, j'avoue. Mais ils sont creusés, donc heureusement que j'en ai une deuxième, hein, parce qu'il y a des trous dedans. Mais voilà, je vais la remettre parce que j'aime trop cette palette et ça me fait vraiment des highlighters de toutes les couleurs. Par contre, je vais devoir enlever les autres et ça m'enquiquine parce que je les adore. Bon, celui-là, je peux l'enlever parce que j'ai un autre bleu. Donc, je vais l'enlever. Mais alors, les deux-là, j'ai pas envie de les enlever, quoi. Je les aime de trop. En plus, ils font des pétouilles de ouf. Enfin, je vais les laisser. J'ai pas envie de les enlever, donc je les laisse. Voilà, tout simplement. Ça me fait beaucoup d'highlighter, mais au moins j'aurai le choix. Et ben voilà. Le fixateur, j'ai toujours le vilain Cruella de chez Catrice. Ouais, toujours de chez Catrice. Et une fois qu'il sera terminé, je crois que je n'en ai plus entamé. Donc je prendrai un de ceux qui sont dans mon backup. Voilà, ouais, j'ai rien d'autre à ajouter. J'ai peut-être un peu changé le crayon lèvres. Je vais enlever un peu le 2C de Make Up For Ever des Aqualip et je vais mettre celui-ci de chez Essence. Ça se termine plus vite quand même, les rétractables. C'est le Because Do. Voilà, mais c'est un nude aussi et ça ira probablement mieux avec mes autres... mes rouges à lèvres. Voilà pour ça. Et voilà donc ce qui conclut ma petite rotation. Donc c'est, vous aurez la rotation dans chaque barre d'infos, mais comme ça vous savez les produits teints que je vais utiliser et je ne dois pas me répéter à chaque fois. Et n'oubliez pas de laisser le pouce en l'air, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. On se retrouve tous les jours jusqu'au 31 à 17h30. Et ben, j'ai plus qu'à vous dire bisous, bisous.